Bah, 2 heures, t'inquiète pas que ça va le frustrer. Hein. De toute façon, il occupera l'espace donation, je le connais. Tu es beaucoup trop bon, Riri. Ah ouais? Normalement, c'est combien d'heures alors? Ah. Oula, oula, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah enfin, monsieur l'agent! Wow. Attends, merci Michel. T'as trop de chance! Oh, t'as trop de chance à 30! Si, on vous voit pas. Oui, vous m'entendez, monsieur? Oui, mais on vous voit pas, il faudrait que vous alliez faire une titiasse, monsieur. Non, attendez, j'attends plus une heure ici, là, monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez me laisser sortir. J'en peux plus, là. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Non. Comment ça, non? Monsieur, vous êtes mis en cellule, c'est pas prêt. Monsieur, ça fait une heure que je poireau, j'ai aucun élément pour vous contacter depuis tout à l'heure. Je viens d'arriver en ville, là. Et je suis arrivé ici directement en cellule. Bah, c'est pas normal, monsieur. Bah oui, c'est ce que je me tue à dire. Regardez mon skin, c'est un skin de base. Ouais, mais monsieur, je vois pas. Je peux pas avoir d'autres skins. Est-ce que vous le voyez, le noir, là, juste à main? Oula. Ouais, je vois le noir. Et là, vous c'est le lui, là. C'est lui, le petit chauve, là. Il va se calmer, le noireau, là-haut. C'est le noireau, comme vous dites. C'est le petit chauve. Ah, hop. Le petit chauve, il est où, le petit chauve? Oh, putain, je suis trop... Bon, vous êtes sorti, monsieur? Non, je suis encore enfermé, putain. Vous m'avez encore enfermé. Oui, on vous voit pas. Mais non, mais c'est parce que regarde. Mais Et c'est qui l'autre grognasse là que vous avez. Mais qu'est-ce que c'est que cette pétasse avec un joint à la bouche là? Ouais, mais... Allez, chez. Ouais, j'espère que. C'est quoi ces gens là? On les met tous en fédé un jour comme ça. Non, attends. Mais qu'est-ce que vous faites? Wesh. Wesh. Quoi? Comment il fait? Je me casse, allez, je démarre. Mais non, je crois qu'il y en a un qui me voit dans le tas, les gars. Il a réussi à me tas, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui me voit. J'y vais ou pas? J'y vais? Merde. Il y a un con là-bas. Il voit tes pieds. Putain, j'y retourne. Mets-toi dans un endroit sombre. Le toit, vite, attends. Putain. Chewbacca, ils sont où? Dis-moi où ils sont. Il a vu. Wesh! Fallait juste le menotter en fait. Pour que. Il va où? Laissez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi, c'est bon! C'est quoi son. On va voir les papillons et une dirige. Non, laissez-moi, les gars, s'il vous plaît, j'ai rien fait, je voulais jouer la scène à fond, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux jouer avec toi? T'es un lutin, frère. Mais j'ai spawn comme ça, putain. Bon, HRP, attendez 2 secondes. En fait, j'ai spawn depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure que j'attends en cellule. Attends, juste du coup, je suis en radio, ça parle 2 secondes, je coupe ma radio. Ok, c'est bon, je peux m'expliquer? Vas-y. Ouais, en fait, j'attends depuis tout à l'heure en prison et j'essaye de faire le report
pour leur dire, parce qu'en fait j'ai spawn directement en prison, ça fait une heure que j'attends. Ah mais pourquoi nous on te voit invisible en fait? Je sais pas, mais c'est maintenant que vous me le dites, moi j'étais pas au courant moi. Moi je pensais que vous me voyez, c'est pour ça que j'ai essayé de faire ma scène, en essayant de la jouer sneaky, en faisant un RP Metal Gear Solid. Avec vous, c'était pour le RP. C'est pas RP ça monsieur. Déjà, vous avez pas lieu de rentrer dans les locaux de la police comme ça en fait. Mais je viens t'expliquer que quand j'ai spawn directement en cellule. C'est pas toi le mec qui faisait l'accent le dernier coup là? De qui? Parce que moi j'ai plusieurs accents en fait, je suis un personnage RP. Oui lequel... je sais, j'ai dû capter un noir. Un noir? Non non, ça c'est un gars qui s'appelle Chewbacca. C'est lui qui est venu là, qui s'est habillé en trans. Lui par contre tu peux le ban, lui c'est un troll. C'est un mec qui j'ai déjà croisé sur des serves, il arrête pas de foutre le bordel. Gros. Ok, et c'est ta mère. Ah. Ok, t'es en report là? Là, comment on fait le report? Parce que ça marche pas, t'es... Hein. Non, mais faut que t'ailles sur la radio, en fait. La radio, comment je vais j'active la radio? C'est... Discord. Discord. C'est la police. Eh, sombre fils de pute. Ah, vas-y, va le fumer, 54. Du coup, je fais comment pour recréer un perso pour pas avoir un skin de base? Bah, tu peux aller directement changer. Ok, est-ce que j'ai juste qu'à faire un reboot in-game et c'est bon? Bonjour, monsieur. Non, faut que ça soit eux qui te fassent un reset, mais Je Steam ou c'est bon? Pas besoin. Non, pas besoin. Non, mais moi, je suis pas papillon, hein, je te le dis. Hein. Bah, et du coup, mais pourquoi vous tuez alors? T'as fait un free kill en fait? Bah, parce que on te prend pour un papillon. Un lutin, pardon. Mais je suis pas un papillon, moi, je suis un être humain. Non, non, tu vas où là? Un papillon, on appelle ça un dieu. Ah. Un dieu de la ville, tu vois. Ok. Mais c'est quoi un dieu de la ville? Bah, c'est les modérateurs, les administrateurs, si tu veux. Ah, ok, ok, je suis pas au courant. Parce que moi, on appelle ça les papillons chez nous. Merci, Médoc 125, merci. Bon, enfin bref, ouais. Vends sur la radio, tu demandes une réa okay. Et un reset de ton perso. Et je dois passer par toi. T'es sûr qu'ils seront réactifs? Je vais dans quel channel? Tu vas dans Report In-Game. IG, pardon. Ok. En attendant, je fais quoi? Je recoupe le jeu et je relance? Non, faut que tu restes. Tu ouais. appuies sur ton muscle F6. Okay. T'as ton ADN qui va s'afficher. En haut. Il sort, bouge-toi. Ouais, c'est bon, je le vois, mon ADN. Donc tu prends ce numéro-là et tu leur dis que tu veux un reset parce que ton perso, il a un problème, en fait. Ok, bah je vais sur et Discord. Tu dis ça. Putain, et tu mais dis enfin, que c'est enfin la... des bons admins, des bons helpers, quoi. Putain, en général, c'est un ban direct. Putain, ça fait plaisir, ça, des mecs qui comprennent. Putain, et c'est tu ouf, dis, merci, tu... gros. Ouais, non, gentil, si, mais tu dis de ma part, agent 47, d'accord? Enfin, sergent 47, tu dis que c'est ok. Ok, agent 47, d'accord, que c'est ok, d'accord. Je suis obligé de te laisser là, gros, je peux pas te revive. Hein. Ah merde. Fais F3, action, respawn. F3, action... Action, respawn. Oh, trop bien! Oh putain, oh alors lui! Oh, il m'a filé une combine! Oh, on va se régaler. Register si ça passe. Quelle erreur! Bon bah c'est parti, hein. On va pouvoir free kill des gens. Non non, je vais... boutique de fringues ou... Les gars, j'ai la flemme. J'ai tellement la flemme d'aller faire le perso, les gars. Je pense que je vais faire un RP d'Hilarouille et Balek, hein. Non? Attends, ça se trouve, je suis même pas sorti. Hein. Ah si. Vous avez... Votre appel a été résolu. Ok, donc les mecs, je fais quoi là? Là, je fais quoi là maintenant? Fringue? Attends, c'est bon, viens me chercher. Salut les arabageois, vous allez bien? Allez, on y va. Tu peux m'emmener s'il te plaît, je dois me chercher des fringues. Non, non, vas-y, dégage. Non, non, c'est important. Vas-y, dégage. Descends de là. Comment je sais pas prendre l'action marseillais? Oh, descends de là, je te démarre. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, barre-toi. C'est un problème, je te démarre maintenant. Ah, ma moto. Donne-moi la moto, s'il te plaît. Porte-toi, frère. Force. Vas-y, monte. Tu vas quoi forcer, sale chien? Ah, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Écrase-le, la ponto. Voilà, écrase-le, va. C'est quoi, F3? Il avait dit quoi? Action, respawn. Allez, hop, on y retourne.
Merci Pacho Biceps, merci Axters, merci Atofé, merci les gars. Tous ceux qui savent. Attends. Ce chips du démon. Merci au rapport boutique de fringues pour que ce soit un peu crédible et ensuite on va les niquer. Merci Tofé pour les 10 mois. Oui, c'est sérieux, les gars, je vous assure que c'est sérieux, CRP. Ah ouais, d'accord, il y a des gens là-bas au parking central. Merci, valeureux chevalier, merci beaucoup. Chaque fois que je note mes paix. Super bon, ce figurant. Mais vous me tuez, les gars. Mais vous voulez ma... Putain. Tu vois, ça c'est furtif, tu vois, c'est pas comme Chewbacca enfin, en train de faire le Golemon. Ça c'est bien sélectionné. Là on reste dans le thème, dans l'esprit de Larius TV. Tête, vite, on prend accessoire oreille, on met n'importe quoi. Attends, boucle d'oreille, hop. Un petit côté bad boy. Merde, comment on fait pour bail après? Oh, c'est chiant. Me dis pas qu'à chaque fois je dois. Oh non, mais c'est quoi cette merde? Ah, vous avez acheté un nouvel objet. Ok. Attends, je vais faire à chaque fois, échappe. On va mettre des lunettes de bad boy. Faut que ce soit un minimum crédible. Faut qu'il y ait de la street cred. La street cred. Un petit chapeau. Ça, c'est bien, là. Ça fait bad boy. Ça fait... Eh, c'est le Joe Bartim, là. Oh. Alors, t'as des couilles ou quoi, là? Eh, t'as des couilles. Alors, on a la meule qui coule, hein. Alors, vas-y, suce-moi. Suce-moi, salope. Ouais, ça va. Ça fait pas trop perso de base. Ouais. Merde. Putain. Je mets quoi, les gars? Le bon vieux blue jean. Vous avez acheté cet objet? Ok, corps. Putain, c'est chiant. Ça, on s'en fout. Non, c'est pas ça, c'est veste. C'est bien là, non? Et les chaussures, on va mettre. Je sais pas, putain. Désolé, c'est un peu long. Shade de Ferromax. Non, c'est pas mal ça, tu me casses l'italien. On s'en fout. C'est que c'est dans ton loup. Amenez-moi au parking central. Attends. Les casse-couilles, sérieux. Ah tiens, ça c'est un black, j'espère que c'en est un bon. Salut, bon black. Ça va ou quoi? Ça va aller? Ouais, je cherchais un peu de marchandises, t'aurais pas du Tosma pour moi? C'est-à-dire?
De la marocaine, de l'algérienne, pas ça ou quoi qui traîne? Allez, Blaco, là. Allez, mon petit noiro, t'as bien du bon matos pour moi? Allez, 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 t'inquiète, je suis un des vôtres. Black Power, les mecs, hein, je suis derrière vous, hein. Bon noir, ça, ça c'est un bon noir. Est-ce que t'es un... T'as des scooters, c'est ça, bon noir. Moi, j'aime bien le noir. Toi, est-ce que t'es un Black Panther ou pas? Est-ce que t'es un Black Panther ou pas? Ouais, j'en suis un, ouais, ouais. Allez, à rabouler la moto, là. Non, y'a pas de à bouler la moto, ouais. Toi, t'es un bon noir, tu veux être mon pote. On a les mêmes couleurs. T'es un bon chauve, toi. Toi, t'es un bon chauve. Non, j'ai des cheveux, j'ai fait une opération. C'est simplement que j'ai eu le cancer. Ah, excusez-moi, alors. Allez, bon noir, vas-y, emmène-moi, même là dans ton quartier, là. Accepte-moi parmi ta communauté, là. Black c'est pas os. Comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, gros. Je vais suivre le rite. C'est le pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme t'as ça. T'as violé une chèvre ou quoi? Pourquoi, t'as dit quoi? T'as enculé une chèvre? Vous enculez des chèvres dans votre clan? Ça, c'est... Moi, j'adore. Voilà, j'adore faire ça, moi. Moi aussi, j'adore. J'ai plus mon véhicule, ça, mais... C'est quoi ce clown, là? Allez, dégage, là, tu sens le faisant, connard. Il pue, hein. Ah. Allez vous faire foutre, c'est bon. Toi, t'es un bon noir, toi. Ah. T'es un bon noir, t'es un noir qui fait le spectacle. Tous les deux là, vous êtes des sales PD, c'est bon. Tu pues, mec. Allez vous faire foutre. Est-ce que tu viens de dire le P-word? Hein? Quoi? Voilà, hé, tous les deux là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tous les deux là. Attends, c'est basi? Mon pas du tout. Attends. Et les gars, vous cherchez. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la ville? Parle bien, y'a pas d'arabe, y'a pas d'arabe, parle bien, y'a pas d'arabe. Si, c'est un arabe, ça, ça fait combien de temps que vous êtes dans la ville? J'ai reconnu ton grain, là. Je suis pas raciste. Je vois du thé à la menthe. Raciste. Attends, c'est basique. Eh, je dis, ça fait combien de temps que vous êtes dans la ville? Eh, ouais, ça fait quelques jours, ouais. Attends, c'est basique, non? Quoi, hein? Monte pas du doigt, je suis pas ton pote. Le mec qui est tout blanc, là. Eh, ferme ta gueule, le pige, on t'a pas sonné là, ferme ta gueule, le pige. Ici, c'est les quartiers chauds, c'est le hood. Tu sais ce que c'est que le hood? Qu'est-ce qui me chie, le grand-père, là? T'as failli être... Allez, va t'amuser, va sucer des skins sur Valorant, dégage, le pige. ça va pas, papy? Ça va très bien, c'est juste que je suis un bad boy, moi, je suis le Joe Bartim. Joe Bartim. Bon, les gars, vous voulez. Eh, vas-y! Eh, je t'ai reconnu, ça va? Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce cerf? C'est pas mal, non? Mais gros cerf. Vous voulez de la. Eh, vas-y, arrête! Je sais que t'es un arabe, allez! Y'a qui la moto là-bas? Pourquoi t'as pris un skin de noir? Tu vas pas me la faire, vas-y! Eh, vas-y! Je t'ai reconnu, ça va? Eh, le cerf, il est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses du cerf? Dégagez! Oh, ta gueule, papy! Y'a quelqu'un qui s'est dégagé de la crosse là, s'il vous plaît? Eh, ta gueule, j'ai reconnu un pote, attends deux secondes. Eh, vas-y, t'en penses quoi du cerf? Mais. Espèce de raciste! Ça joue bien RP ici, hein! Raciste! Je suis tombé juste sur un noir qui est un peu chiant là, un peu collant. Raciste! Et le vieux, continue! Eh, on va te mêler ta grand-mère! Raciste, gros, attends! Tu dis tout le temps ça, les arabes, ta grand-mère! Eh, on va te mêler, fils de pute, toi! Et je connais ta prochaine réplique, tu vas me ZF, c'est ça? Tu vas faire de la moulaga? Allez, ça dégage! Oh! Pleure, ciel, ça! Chiale salope avec ton gosse. Qu'est-ce que tu fais, gros? Par contre, parle autrement, toi, sinon je te bute là. Tu vas rien faire, gros. Va te faire enculer par une parabole. Tu vas faire 2 minutes dans la ville, toi. Non, j'ai reconnu. Oh là, sortez pas les armes, par contre, les gars. C'est bon, je m'excuse. Allez, c'est bon, maintenant, on arrête d'insulter. C'est bon, les gars, ça va. C'est juste que j'ai reconnu mon pote, un de mes potes arabes sur le serveur. J'étais content de lui. Sale raciste, va casse ta merde. Ouais, raciste. Comment ça, je suis raciste? C'est le personnage qui est raciste, je t'emmerde. T'es un arabe, je te chie à la gueule. Voilà. Quel personnage? C'est quoi personnage? Tu racontes quoi là? Ah, il fait quoi lui? Sa grand-mère. Hey, est-ce que tu sais me sucer la bite sans les mains? T'as une bouche délicate, toi, tu mets de l'huile d'olive dans ta bouche, toi. Après le RP, ferme ta gueule, voici le RP. Ça veut dire quoi, RP raciste? Je comprends pas. Le gars, est-ce que quelqu'un a une voiture pour pousser là? Mais est-ce que les gars pourraient lui faire fermer sa gueule à Spige? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il nous emmerde, le serveur c'est interdit au moins 18 là. Qu'est-ce qu'il veut, ce pige?
Tu penses de quoi ? Il a sucé sur Valorant. C'est quoi serveur ? Le serveur, c'est là où, où j'ai trouvé ta petite maman. Hein ? Mais gros. Dans un câble en train de s'enfiler des câbles. Toi, tu vas pas faire long feu. Toi, tu fermes ta gueule. Ok ? Tu fermes ta gueule. C'est bon, je rigole, ça va, je fais de l'humour. C'est bon. Attends, on va voir l'humour. Attends, j'appelle la police, attendez. Rentrer là-dedans. Ouais, monsieur faire. L'agent, je me suis fait agresser là. Il y a un noir qui m'a demandé de la conso et je vais vous balancer qui c'est. Venez avec moi. Ah. Oh, excuse. Ouais, je. Oh. Hey, messieurs, calmez-vous. Attends. Et c'est qui agresse mon frère là agresser, je me mets en sécurité. Voilà, il prend la voiture. Il prend la voiture, mais. Non, non, je voulais me mettre à l'intérieur pour me protéger. Je me fais agresser par les noirs. Toi, comment ça, monsieur ? Attends, mais c'est pas possible. Monsieur l'agent, veuillez les arrêter. Ça fait trois blacks là qui essaient de m'arnaquer là. Ils veulent m'arnaquer de l'argent. J'ai rien fait. Mettez-moi ah, monsieur, vous pouvez pas faire quelque chose avec le papy là ? Parce qu'il est un peu raciste, hein. Monsieur, vous allez venir avec nous ? Ouais, arrêtez-le, le vieux là. Il... Oui, lui il est là. Raciste là. Lui là, là. Merci, messieurs. Si, tu as dit ça là ? Je sais pas c'est qui, mais en tout cas, je l'ai entendu. C'est qui là qui porte ses couilles là ? Il le dit là ? C'est le gars qui a les rastas. Il faut l'arrêter là. Il a dit quoi ? Ouais, non, c'est pas moi. Tu t'es trompé, c'est pas moi, moi j'ai les cheveux rasés, c'est pas moi. Pourquoi vous cagoulez les flics ? Ça parle, mais ça porte pas ses couilles. Ouais, non, mais il y a deux. Parce qu'il y a toujours des mecs comme ça. Allo, c'est pas moi le vieux, les gars. Attends, Loul, c'est là, c'est pas lui. Si, c'est lui. Mais c'est lui, il a changé sa voix. Il a changé sa voix, c'est lui. Ah oui, il a changé sa voix, en plus, t'as pas le droit. C'est lui, c'est la police, monsieur la police, la meuf, elle est là-bas. Là, vous faites une grosse bavure. Les gars, comment je pourrais avoir une grosse voix ? Elle est là, la meuf avec. Pourquoi vous. Elle est là. Attention. Attendez. Mais vous êtes trompé les gars, c'est un gars. C'est le gars qui a tiré dessus là, qui a roulé sur tout le monde là-bas là. Qui c'est pas moi. Mais n'importe quoi. C'est lui. Voilà, c'est lui qui a la grosse voix. C'est lui qui a roulé sur tout le monde. Enfin, vas-y, prends ta grosse voix maintenant. Assume. C'est le mec en moto. Il nous a tapé dedans là. Exactement. Vous pouvez me libérer maintenant. J'ai rien fait. Voilà. C'est la dame là. C'est toi qui prends ma meuf là. Mais non, c'est pas moi. Voilà, c'est lui qui a la grosse voix. Voilà. T'es sérieux là ? Ah enfin je vais te libérer. C'est le bordel. Monsieur arrêtez. Ça suffit monsieur. Non mais... Ah mais Tranxen t'as de la résistance frérot. Tranxen il est fou. Solide, dur sur l'homme Tranxen, voilà. Dur sur l'homme. Pas de pute. Dur sur l'homme. Voilà comment t'as appris. Il est mort. Le mec dans la smart il est mort. Celui dans la smart ? Enfin, c'est bon, non, c'est plus bon. Maintenant, il s'est fait ban, il s'est fait ban. Voilà, vous êtes confondu en fait. Vous avez trouvé le coupable, vous pouvez me libérer maintenant, les gars ? C'est qui par contre, il y en a un autre là-bas, commandant là. Il y en a un autre dans le véhicule là-bas. Le blanc là ? Ouais, le véhicule blanc. Non, pas sûr. Monsieur les agents, c'est bon, vous pouvez me libérer maintenant, c'est bon ? J'ai vu que c'est pas moi. Vous avez vu que c'était pas moi. Merci GRZ. Personne là-dedans. Merci les cheveux. Putain les gars. Monsieur, les propos racistes là, c'est la dernière fois que je vais entendre ça. Oui, non, mais c'est pas moi, je vous l'ai dit. La c'est prochaine fois, je. Confondu. Arrêtez là. La prochaine fois, je vous embarque au commissariat pour ça. Mais d'ailleurs, je vais vous amender au fait pour ça. C'est inadmissible, monsieur. Monsieur, nous sommes aux États-Unis, j'ai ma liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je pense, non ? Non, mais là, vous faites de l'incitation à la haine, monsieur. Non, en aucun cas, puisque j'ai simplement. Alors, comment je les appelle alors ? J'ai pas leur prénom, je dis deux noirs. J'ai le droit de dire deux noirs. Ils m'ont bien dit que j'étais un blanc. Vous avez une carte d'identité, monsieur ? Ouais, bah ça va être très dur là, parce que j'ai les. Je vous demande si vous l'avez déjà. Si vous l'avez, je vais vous démenoter. Oui, j'ai ma carte d'identité. Ne vous en faites pas, je vais vous la donner. Allez-y. Alors, c'est quel muscle ? Ah, ok, vous l'avez pas, vous venez d'arriver en ville. Si, non, c'est bon, voilà, hop. Je rigolais. Comment vous l'avez récupéré votre carte d'identité ? Ma carte d'identité, je suis parti à la mairie et j'ai dû renouveler. Parce qu'elle s'est expirée en fait, je dois partir en voyage au Maghreb. Et là-bas, la carte d'identité elle suffit en fait pour voyager. Voilà, c'est pour ça que j'ai dû la renouveler. Ok, bah allez-y, présentez-moi votre carte d'identité. Merci, je dois partir, c'est bon. Merci beaucoup, bonne Monsieur, journée. Présentez-moi votre carte d'identité. Ah, attendez, bah je vais les présenter. Non. Je vous la... Mes papiers, montrer. Muscle F3. Si, voilà. Mes papiers. C'est bon. Ah, il y a marqué, vous n'avez pas de carte d'identité. Montrez. Ah, ouais, vous n'avez pas de carte d'identité. Ok, vous n'allez pas bouger, monsieur. Restez là.
Je vais du coup je vais... Non, vous bougez pas, monsieur, vous bougez pas. Il va me buter. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous pointez l'arme sur moi? J'ai rien fait? Attendez. Ok. Monsieur, vous allez ouvrir votre bouche quand je vais vous le demander. Oui. Quand je vais vous le demander, monsieur. Ah, ok. Allez, c'est parti. Ouvrez votre bouche. Hein? Ah, 57 pour 0. Non, monsieur, c'est bon, stop. Ok. Bougez pas. Non, j'ai pas envie de me faire ban, bêtement. Merci, Nerzy. Comment il va, mon petit Nerzy? Les yeux bleus. Et merci à Tasse. De quoi? Pour le 7ème mois d'abonnement. Tu m'entends? Ouais. C'est bon, j'ai levé les mains, j'ai écouté vos directives. C'est bon, je suis libéré. Merde. Non. Vous m'avez fait signer des papiers? Je dois signer des papiers, c'est ça? Vous attendez et c'est tout. C'est quoi votre nom, monsieur? Alors c'était matricule 160. Hein? 160. Votre nom. Votre nom. Et 57, t'as un problème de voix. Baptiste Boucabel. En plus, oh le raciste, c'est lui le raciste. Non, c'est pas moi, tu m'as confondu avec un autre. Mais, c'est toi le raciste. Non. Si je confirme, c'est lui le raciste. C'est vous le raciste. C'est pas... Vous êtes culé. Qui peut te le prouver alors? Qui peut le prouver? Mais tu m'insultes depuis tout à l'heure, Oui mais t'as une GoPro? Circulez s'il vous plaît. Arrête de pointer ton arme. Il vient me narguer en moto les gars, il vient me narguer. Monsieur, c'est quoi votre nom? Baptiste. Ah mon Baptiste nom sur le papier? Baptiste comment? Parce que c'est un nom d'emprunt que j'ai, ok, je vous suis. Non, comment vous appelez? Baptiste Lachant. Comment j'ai... Lachant c'est le nom de famille? Je m'appuie comment sur le... Hein? Baptiste Philippe Lemoine. Bah, j'ai deux prénoms. Baptiste Philippe Lemoine. C'est bon, vous voyez sur la base de données? Vous vous foutez de notre gueule en fait. Non, je vous assure que c'est... Oui. En 30 secondes, vous avez donné trois noms différents, monsieur. Je vous l'ai dit, je fais partie d'une caste. Je suis noble, donc c'est un nom d'emprunt. J'ai pas envie qu'on sache qui je suis. Mais oui, mais là, c'est la police. Donc là, vous dites la vérité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis la vérité. J'ai... Bref. Philippe Lemoine. Mais les gens m'appellent Baptiste. C'est mon père qui m'a donné ce prénom de vieux de merde. C'est bon, vous me voyez sur la base de données? C'est bon, je peux y aller? J'ai rien fait, monsieur l'agent, y'a aucun délit. Bougez pas, monsieur. Ah, vous faites votre rapport? Ok. Ah, y'a votre copain qui est sur la tablette. Comme je vous disais, je vais vous amender, monsieur, pour incitation à la haine. Non, à aucun moment j'ai incité à la haine, vous n'avez aucune preuve. C'est leur parole contre la mienne. Donc en aucun cas vous n'avez le droit de... J'ai entendu, monsieur. Vous n'avez pas entendu, vous êtes arrivé sur les lieux bien après, j'étais là. Vous êtes venu nous voir, vous avez dit c'est deux noirs. Moi aussi, monsieur, est-ce que vous pouvez signer là, s'il vous plaît? Donc, je dis comment alors? Je dis deux mecs... est-ce que vous pouvez signer là, s'il vous plaît? Oui, je vais signer, attendez. Sur moi, à la tablette, s'il vous plaît. Alors attends, ok ici. Non. Qu'est-ce que ça te fait? Parfait. I'm back, bitches! Donc je vais dire... Oh putain! Back, bitches! On a le mot d'or parking central. Hein. Il m'a fait mal quand même. Vas-y, laisse-le taper! Ouais, reste par terre, salope! Laissez-le vous taper. Hop. Ban? C'est bon, il n'y a plus. Donc je dois dire quoi alors? Je dois dire deux noms blancs? Hein? C'est deux personnes, peut-être. C'est deux. Oui, mais le problème c'est qu'ils ont un signe caractéristique. La couleur de peau et l'odeur. Bah vous les montrez. Bah oui. Comment mais ça l'odeur?
Non, oubliez, ou bien ce que je viens de dire. Non, comment ça, l'odeur? Vous êtes un gros raciste, quoi. Allez, bonne soirée, monsieur. Oubliez ce que je viens de dire, c'est pas... j'ai pas fait exprès. Vas-y, monte, c'est bon. Merci. Du merci coup, vous recevrez une amende sur votre compte bancaire, monsieur. $2000 d'amende. Quoi? Attendez, non, non, revenez ici, revenez ici, revenez ici. Tu dis le pire truc à la fin et il s'en branle. C'est tellement ça. On peut pas dire noir. Vous dites comment vous dans la vraie vie, sérieusement? Moi je dis deux blacks, on a le droit de dire deux blacks, deux blancs, mais j'ai vu deux blancs. Deux Jean Richard, deux blancs, enfin je sais pas, deux blacos. Merci, salut. Hein, vous parlez pas? Vous êtes monsieur? Mazoutman, tu m'entends? Wakanda, Wakanda! Nanana, banana, il est né! Umaga, Umaga! Je. Allô, bonjour monsieur. Ah, vous êtes gilet jaune? Chocoderme, vanilloderme. Le chocoderme, je vais dire chocoderme. Tu vois, tu vas, je vais t'appeler Choco. Choco. Chocapic. Chocapic man. Waouh, c'est très bien cette danse. C'est une danse de ta tribu. C'est trop marrant. Waouh, trop bien. C'est super cool ça. Et c'est quoi votre signe distinctif? Vous dites quoi? Umaga! Umaga! Kiri kiri kiriku! C'est très bien ça, Eddie Gordo. Continue comme ça, tu m'impressionnes. Vas-y, fais-nous une démonstration là. Sors ta sarbacane là. Allez, tire sur des abeilles. Ah, c'est comme ça que vous faites. Oudoudou, oudoudou. Oh, il est tout mignon le petit. Congoïde. Waouh, ça c'est très bien ça. Vous, toi aussi dans ta tribu, vous avez des morceaux de bambou sur votre bite? C'est mignon ça. Ouah, les muscles. L'homme fort noir. Je crois que je vais couper plutôt que prévu les mecs, je maîtrise pas mes propos. Merci Nod pour les... Bon après je me dis, bon je suis en second lit donc personne regarde live, personne peut tomber là-dessus donc ça va. On est tranquille. C'est le personnage les mecs, hein. En aucun cas je maîtrise. Hein. Wow, t'as beaucoup de muscles, ça c'est certainement dans les gènes. Vous êtes très sportif, monsieur. Vous êtes athlétique. Vous êtes bon pour faire le 400 mètres. Une course de 400 mètres. Il est passé où l'autre connard? Bon, on va... Ouagadougou, Benny Hill... Indawakanda, on va aller, ça veut dire go parking central, viens, on y va, amène-moi. T'es encore sur le cerveau, viens m'aider. C'est un stalker lui, mais... Kuntakinte Ouagadougou. Est-ce que je parle bien la langue de ton pays? Central. Alanemanimumamwe Kumbagaolo, Kumbagaolo. Merci. Bah alors comment se retrouve la compagnie créole? Wakanda, oh. Wakanda. Fais pas le fou, fais pas le fou, fais pas le fou. Tu vas rien faire mec, la police, j'ai eu affaire à elle, elle m'a rien dit.
Bien sûr, c'est vas-y, bien pour toi, je t'attends. Bravo. Ah bah tiens, deux arabes friendly. T'as dit quoi? Viens, on stop, viens, on stop, viens, on stop. Mais tu vas rien faire, mec. Vas-y, ah, la police! J'appelle la police! Attends, vas-y, je vous défonce. Espèce de raciste. J'arrive pas à atteindre mon téléphone. Espèce de raciste, va. Je ne suis pas raciste, défonce. C'est juste ton odeur qui me gêne. Putain, mais... Oh putain, bâtard. Ah, m'arrêtez. Ah. Bon bah t'es F3. Et on y retourne. C'était quoi déjà? Je ne... C'est mardi. Un dieu vous regarde, il y a marqué. Oh oh. Merci pour vos services, c'était gentil, monsieur l'agent. Vous avez bien surveillé cette nuit. Ah, vous n'êtes pas très bavard. Ah, vous êtes concentré sur ce que vous faites, votre métier, c'est ça? Bah, montez bien la garde. Attends, je vais voir votre collègue. J'ai un peu mal, mais bon, ça me permet de marcher. Alors, il est bien ce Starbucks? Bah alors, gros patapouf, on prend pas des donuts? Je rigole. Vous faites vraiment un bon travail, la sécurité. Bon courage pour la veille de cette nuit. Coucou, Wakandaman. Parking central, s'il vous plaît. J'ai livraison de stupéfiants. Ouf, c'est bon. On désactive le mode acting. Merci. Ta mère. Nique ta mère. Oh. Ben voilà, c'est bon, j'ai la marchandise. Si vous oh là, oh, c'est un raciste. Faut le taper. C'est raciste. Hein? Aïe, j'ai des imperfects tout à l'heure. Espèce de raciste. Aïe, arrête de me frapper, j'ai rien fait, arrête, laisse-moi. Si, espèce de raciste. Laisse-moi, protège-moi, homme blanc. Je vois rien. Oui. Protégez-moi, monsieur, il y a un noir qui m'agresse. C'est lequel le raciste? C'est le. Celui qui a le truc sur la tête là, le. La cagoule. Lui là, viens, c'est lui là, qui arrête pas d'insulter tout le monde. Lui là, oui, c'est lui. Mais... Lui, ça bon gars, quoi, attends, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui le raciste depuis tout à l'heure qui arrête pas d'insulter les blancs. Mais ta gueule, bah non, c'est toi là le chauve. T'es malade, du coup. C'est toi là, espèce de chauve. C'est celui là, dans la voiture. Pute, attends, j'espère que t'es pas sérieux quand tu dis ça, gros. Wesh, les gars. Frère, tu m'as dit le raciste, frère, je suis pas raciste. C'est pas celui sur la moto qui parle là. C'est celui sur la moto. Mais non, c'est celui avec le pull blanc qui parle. C'est la soirée que. De ma mère, faut le péter sur la moto. Ouais, il faut le péter, voilà. Descends. Voilà, bien joué, Eddie Gordo. Voilà, la prise taken. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Allez, ça dégage, le noir. Ah, il t'arrive quoi, frère? Arrêtez de vous frapper à chaque fois. Arrêtez de vous frapper, les gars, j'appelle la police. À chaque fois, vous frappez. Les gars, on peut pas tout résoudre les problèmes de ce monde avec la violence. Regardez ce qui est arrivé au peuple noir. Les gars, vous alors pas toi, de mais toi, mais t'es vraiment fou de toi, c'est abusé. Non, d'accord. C'est pas touché. Je l'ai pas touché, promis. J'ai pas touché. Reste ta culotte. Non, c'est le personnage, y a mec, pas il maîtrise pas tout ce qu'il dit, hein, je tiens à rappeler. Bon, Eddie Gordo, fais-leur une démonstration, là. Ça va les détendre. Ah bah, il y a enfin les ambulances. Enfin, c'est pas trop tôt. Putain, vous branlez rien dans cette ville, là. Écoute-moi bien, là. Je suis en train de te parler. Ça fait 3 fois que je t'appelle pour me soigner, pour avoir des bandages. Tu parles autrement, hein. Déjà, Johnny, comment tu parles mieux. Autrement Johnny, parle autrement. Tu parles mieux, gros. Et sinon, je viens pas te soigner, gros. Non, tu baisses tes yeux d'un coup et tu me passes les bandages tout de suite. Allez, raboule maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah allez, gros, je me casse déjà d'une. Allez, bon. Non, attends, tu peux me soigner s'il te plaît? Oui. Oh, pourquoi t'es sérieux là? Tu joues pas ce policier, c'est quoi? Oui. C'est l'ambulancier le raciste. Oh putain! C'est le raciste. On a circulé, on gaz tout le monde. C'est la flicaille. Non, c'est lui. Je vais l'enchaîner. C'est la flicaille, putain. Monsieur,
Monsieur le policier, monsieur le policier, j'ai une question, celui qui lève la main une question. C'est lui le raciste, le mec de race boulette, lui c'est un raciste. Ma moto, il y a quelqu'un qui est rentré dedans, il a pris les clés, il l'a verrouillé, et je peux plus l'avoir. Monsieur, aïe. Mais moi j'ai rien demandé à la putain de ta race. Mais enchaînez le. Tu vas dégager. Non, c'est bon, il est freeze, c'est bon, dégage. Et donc toi. Bon, l'ambulance, écoute-moi, t'as intérêt à t'excuser tout de suite parce que tu vas être déchiré le visant pour le raciste. MDR, arrête d'accuser Non, mais t'as juste avec la police, et je les connais, ils sont pas commodes. Et alors, mais alors que tu connais la police ou pas, mais allez, gros, je vais pas demander, mec, tu vas rien comprendre. Mais arrête de casser les couilles à tout le monde, gros, tu casses les couilles à tout le monde, tu crois que je t'ai pas vu tout à l'heure. Comment ça, je casse les couilles à tout le monde? Mais arrête, gros, je vais t'enculer, arrête. Tu vas rien enculer du tout, regarde, t'es un faible. T'es un raciste, t'es un raciste. Regarde, oh, monsieur propre. Monsieur le MS, il est raciste. Vraiment raciste. Je ne suis pas raciste. C'est un vrai raciste. Monsieur le MS, qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, attendez, venez, on va parler, on va parler. Donc, alors, apparemment, le white privilege n'est pas ici, d'accord. Vas-y, viens avec moi. Allez, mais chauve, monte dans la moto. Viens, je suis gentil, viens. Mais je suis pas monté, putain, je peux pas monter dessus, putain. Vas-y, sors, tu peux. J'arrive pas à monter. Vas-y, ça me casse tes couilles. Eh, monsieur, pourquoi je suis menotté? Ouais, sûr. Bon, écoute-moi bien, j'espère que t'as une arme, on va tous les régler là, ces petits noirs. T'es prêt? Ouais, monsieur. Et pourquoi t'es raciste comme ça? Je ne suis pas raciste. Ouais, mais j'achète tout le temps des têtes de nègres à la boulangerie, ça peut être raciste? De quoi? Bon, je t'expliquerai. T'as rien contre le vinaigre? De quoi? Écoute-moi. Tu vois, du coup, tout le monde est content d'eux, il dit que t'es raciste, hein. Non, parce qu'en gros, il y a un mec qui prend cette voix-là. Attends, je vais te la faire. Il pense que c'est lui. Alors que c'est un personnage enfoui. Donc. Oui, en fait, à chaque fois, voilà, je prends le contrôle de Baptiste. Oui, alors, les Noirs et les Arabes, je les aime beaucoup. Wow. Ce pouvoir, cette puissance, maintenant tu vas me sucer la pine, hein, petite salope. T'es une petite beurette, toi, t'es une bonne petite beurette. Regarde comment j'encule ta moto. Regarde. Ouais, excuse, aïe. Espèce de bâtard, tu me reconnais pas, hein, espèce de raciste, je te le dis. Espèce de raciste. Hein? Tu me reconnais pas, de bâtard, tu fais qu'insulter tout le monde. Hein? Tout le monde est contre toi, tiens. Fais tout ta renette, fils de pute. Tiens. Arrête, j'ai mal. Arrête. Laisse-moi. Non. Tiens, je te roule dessus. Non, dis-moi. C'est raciste. Non, j'ai niqué. C'est pas gentil de faire ça. J'ai niqué le raciste, monsieur, il est raciste, de putain, là, sur le point. Butez-le, les gars. Voilà ce que je vois. Oui. Voilà, Eddie Gordo. Montre-leur. Chris Taken, Eddie Gordo. Wesh. Il a fait une technique carrière. Ouais, il est mort, hein. Je crois aussi. Mais t'as vu, frère. Wesh, c'est tous des racistes, c'est impressionnant. Mais regarde. Mais attends, hier on avait... Eh, hey, tu fais quoi, toi, espèce de connard? Hier, on avait quoi? C'était le RP, ferme ta gueule, et là, ce soir, c'est... RP, c'est l'irraciste. Eh, hey, tombe, salope. C'est ma chienne. On l'enchaîne. J'ai entendu combien de fois ce soir, les gars? Tiens. Mange rien. C'est bon. Ça dégage. Et si l'irraciste... Toi, on va t'emmener à l'hôpital, on va t'enchaîner aussi. Attends, c'est deux racistes, là, c'est deux... Monsieur, non. Ok, bonjour, messieurs. Monsieur, c'est des racistes, ça rien. Faut les enchaîner. Monsieur, ça rien, c'est des putains de racistes. Monsieur, ça rien. Mêlez, et on va les braquer, comme ça je les emmène regardez. Voir la police. Oui, c'est un bâtard, lui. Il vous a dit que c'était vous raciste, alors pas du tout. Regardez, monsieur, c'est votre moto. Oh, il est deux. Tu vas aller où? Ah ouais, c'est... Il s'est passé quoi ici? En gros, je vais vous expliquer. Ah, mais c'est encore vous là? Oui, c'est... il me fait passer pour le raciste. Alors que c'est lui le raciste. Bref, du coup, vous faites ce que vous avez à faire. Moi, je les réanime. Ah, on va vous mettre en garde à vue, monsieur. Là, vous allez trop loin, monsieur. Oui, mais voilà, enfin la police va enfin faire son travail. Putain, je vais enfin être considéré comme un white privilege. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'a mis les menottes? J'ai rien fait. Non mais lui, vous le laissez pas partir par contre. Mais depuis quand la police américaine respecte les noirs? En fait, je comprends plus rien là. C'est le monde à l'envers.
Monte, monte. On m'occupe. Ok. Monsieur, nous sommes le mardi, le jeudi, pardon, 4 oui, juin. Il est minuit 14. 4h45, minuit 14. Vous êtes placé en état d'arrestation pour incitation à la haine. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être rendu contre vous devant un tribunal de justice. Vous avez le droit d'un avocat. Et aussi, vous n'aurez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Et un jus de paille. Si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office si l'un d'eux est présent en ville. Vous avez le droit de boire, white de manger devant un médecin. I can breathe. Cela est I can nécessaire. Avez-vous compris vos droits, monsieur? Avez-vous compris vos droits, monsieur? Oui, I can breathe. I can breathe. I can monsieur, avez-vous compris vos droits? White lives matter. White lives matter. Life, ça pourra pour vie, hein. Enfin, c'est bon, avez-vous les gars. Compris vos droits, monsieur? Trop tôt. Trop tôt, putain, j'ai oublié. Yes, monsieur? I understand my rights, but please, liber me now. Ou sinon, les gars, y aura plein de gens qui vont manifester pour soutenir mes droits. Ça va être contre vous, les gars, je vous le dis. Vous allez être débordés, il y aura des émeutes. Il va y avoir des pillages. Attention, au revoir les iPhone 11 Pro Max. Hein? Monsieur, vous pouvez pas mettre en avant une race ou quoi que ce soit, monsieur. C'est interdit par la loi. Vous êtes en train d'inciter à la haine. Vous cherchez à vous faire. Les sacs Gucci, bye bye. Les petites sacoches là, Dolce & Gabbana, bye bye. C'est le meilleur cerf, franchement. S'il me laisse, il m'aime pas, les gars, c'est le meilleur cerf. Bon, ok, bon, c'est bon. Je reconnais que j'étais un petit peu trop loin. Mais en même temps, ils l'ont cherché. Avec le climat bougez actuel, pas, comprenez que j'ai aussi certains droits, non? Bougez pas. C'est bon, je suis pardonné? Tiens, fou. Ah, cool, c'est bon, il va me libérer. Ah, bah, c'est cool, je vais pouvoir sortir plus tôt que prévu. Je vais pouvoir aller voir. J'ai un groupement là, le KKK, ils m'ont appelé. C'est un groupuscule. Ils m'ont invité sur Facebook, je sais pas ce que ça veut dire. Ils m'ont contacté. Ils m'ont laissé un petit texto, ça va être sur la 52e, sur la 52e. Merci, Jaozès, merci. Ils m'ont demandé de commander un caca. Ok, monsieur, je vous demandé pour incitation à la haine, c'est de la récidive que vous êtes en train de faire. Libérez Fabien Barthez. Ok, vous avez des affaires sur le lit qui vous seront... que vous devrez mettre. Ah, vous avez des vêtements pour moi? Non, s'il vous plaît, les gars. Non, franchement, vous avez pas la preuve. J'ai vraiment... Alors, je vous avoue. Vous avez... Faut avouer à moitié... pardonner, on est d'accord? Non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Putain, ça a été porté par... Oh, il y a encore des odeurs. OJ Simpson, fils de pute, putain, je suis en train de prendre tes fringues. Connard. J'espère qu'à l'heure actuelle, là, t'es en train de crever. T'es dans le couloir de la mort, fils de pute. Écoutez, Patrick est tombé. Les gars, je vous laisse aller patrouiller, moi je vais. Les gars, je tenais à m'excuser, les gars, je m'appelle Philippe trop tôt, c'était trop tôt. Trop tôt, promis, c'était trop tôt. C'était trop tôt, je vous assure. Ah, allez, trop tôt. Monsieur, vous avez. Vous êtes placé en garde à vue pour les 10 prochaines minutes. Vous serez relâché après ça et vous pourrez quitter le commissariat. Vous êtes sûr, 10 minutes? Oui. Parce que ça a l'air de ressembler fortement à un couloir de la mort là, juste en face là. Vous êtes pas en train Comment de vous foutre de ma gueule? Non, il y a comme une chaise 10 dans le décor là-bas, non? Attendez, qu'est-ce que je vois là? Bon, allez, retournez en patrouille, les gars. Moi, okay. Je vais aller, fin de service. Non, s'il vous plaît, non, non, vous allez pas me faire ça. À manger au moins! Au revoir! Un KKFC! Un KKKFC! Bon, bah, go et froid, hein. Merci, Nid. Merci, Matox93. Merci, Gribouille. Merci, les gars. Ah oh putain, les batailles m'ont mis une plugin de merde. Pas le choix, faut y aller les bots. Merde, ça marche pas. Ah les bâtards. Putain. Attends, par contre, si je fais, attendez, les mecs, attendez, je crois que je vais les brain.